Bonjour à tous, je suis Françoise de la Ludomédiathèque. On se retrouve pour notre deuxième vidéo sur la langue des signes française. Aujourd'hui, je vais vous apprendre le signe des couleurs. Couleurs. On met la main comme ça et on bouge les doigts. Couleurs. Tout d'abord, les trois couleurs primaires, c'est-à-dire celles qu'on trouve dans la nature, comme le bleu, ici, derrière moi. Alors, on met la main comme ça, c'est la lettre B. Et on ferme les doigts du haut, une fois. Bleu. Bleu. Le rouge. L'index. Et on le passe deux fois sur les lèvres. Rouge. Rouge. Le jaune. La lettre J. Le jaune est ici ou ici. Jaune, lettre J. Et on caresse sa joue deux fois avec l'auriculaire. Ça permet aussi de réviser le nom des doigts. Jaune. Maintenant, les couleurs secondaires, c'est-à-dire celles qui résultent d'un mélange entre deux couleurs primaires. Par exemple, le vert, vous savez que c'est le mélange entre le jaune et le bleu. Donc, le vert, la lettre V. On recourbe les doigts et on avance trois fois, comme un serpent qui attaque. Vert. Vert. On va continuer avec la lettre V pour le violet. On pose la main comme ça. Et on la retourne tout en descendant. Comme si on lissait une sorte de ceinture. Vous savez, la ceinture de sécurité. Violet. Violet. Orange maintenant, tout simple. On prend la main comme ça et on la secoue. Orange, orange, orange comme ici ou comme ici. Que peut-on faire maintenant? Le rose, bien sûr. Alors, le rose avec la lettre R. Regardez bien, le majeur est au-dessus de l'index. Et on passe au-dessus du menton. Rose. Rose. On continue avec le marron. On met le point comme ça et on se le passe sur le menton. Marron. Marron. Ensuite, nous avons le gris. Alors, le gris, c'est avec l'index. Et on le bouge comme ça. Comme si c'était un petit ver qui rampait devant nous. Gris. Gris. Qu'est-ce qu'il me reste à voir comme couleur? Bah, y a les non-couleurs, bien sûr. Le blanc. Alors là, c'est Priscilla qui m'a donné le bon réflexe pour me rappeler le signe de blanc. C'est la boule de neige qu'on reçoit dans le cou et qui éclate. Blanc. 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 Le noir maintenant. Alors, voici la lettre N. Et on se passe la lettre N sur le front, comme si on lissait une frange. Noir. Noir. Voilà les principales couleurs. Après, je vais vous en proposer d'autres en bonus. Par exemple, le beige. Alors, le beige, c'est comme si vous faisiez de l'autostop. Hein? Sauf que c'est à l'envers. Hop, beige. 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 Tout simplement. Et une élève de l'école de la ville m'a posé la question turquoise. Alors turquoise, c'est comme ça. Turquoise. 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 Voilà, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, il y a des nuances dans chaque couleur. Elles peuvent être claires et elles peuvent être foncées. Alors par exemple, le bleu. Bleu clair. Ou bleu. Foncez, toujours en faisant le bon faciès. Clair, clair, on s'éclaircit. Foncez, on s'obscurcit. Voilà, c'est fini pour cette seconde vidéo. La prochaine sera sur les signes avec bébé. À bientôt!